Ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Oui, j'ai la volonté du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Pour célébrer selon la règle en Israël, le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Oui, j'ai la volonté du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Appelé de beaux jours sur Jérusalem. Advienne de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Oui, j'ai la volonté du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Oui, j'ai la volonté du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Esprit qui habite en nos cœurs pour des siècles, amen. Oui, j'ai la volonté du Seigneur. Alléluia. Près du Dieu de ma joie. Alléluia. Hymne de Raban Mort, page 22. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tu es notre force, notre louange et notre gloire. Toi, le Roi des rois, le guide des fidèles, notre Sauveur, notre lumière, la vie éternelle. Et nous, petites parcelles de ton immense création.
89. Psaume 107. Sauve-moi ta droite
J'exulte, je partage si chère. J'apporte la paix du corps. À moi, garde la lacet. Éphraïm, l'armure de ma tête. Judas, mon bâton de commandement. Conduira jusqu'en Éden. Psaume 145. Alléluia, alléluia, alléluia. Loue mon âme le Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Cantique des Proverbes, page 260. Mon fils, si tu accueilles mes paroles, si tu conserves en toi mes préceptes, rendons tes oreilles attentives à la sagesse, inclinons ton cœur vers la vérité. Oui, si tu fais si tu la recherches comme la joie,
de sa bouche sortent le savoir et l'intelligence. Il réserve aux âmes droits son assistance, il guide ceux qui pratiquent l'honnêteté. Il monte la garde au chemin de la justice, il veille sur la voie de ses amis. Alors tu comprendras, justice, équité, droiture. Tous les sentiers qui mènent au bonheur. Dans la sagesse entrera dans ton cœur, que le savoir fera tes délices. La prudence veillera sur toi, l'intelligence te gardera. De saint Athanase au IVe siècle, le Christ, sagesse du Père. La sagesse personnelle de Dieu, son Fils unique, est créatrice et réalisatrice de toutes choses. En effet, dit le psaume, tu as tout fait avec sagesse, la terre est pleine de tes créatures. Afin que les créatures non seulement existent, mais existent bien, Dieu a décidé que sa propre sagesse descendrait vers les créatures afin d'imprimer en toutes et en chacune une certaine empreinte et représentation de son image. Ainsi serait-il évident qu'elles ont été créées avec sagesse et qu'elles sont des œuvres dignes de Dieu. De même que notre Verbe humain est l'image de ce Verbe qui est le Fils de Dieu, ainsi notre sagesse est, elle aussi, l'image de ce Verbe qui est la sagesse en personne. Parce que nous possédons en elle la capacité de connaître et de penser, nous devenons capables d'accueillir la sagesse créatrice, et par elle, nous pouvons connaître son Père. Car celui qui a le Fils a aussi le Père, et encore, celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Parce que l'empreinte de cette sagesse existe en nous et en toutes ses œuvres, il est tout à fait juste que la sagesse véritable et créatrice, appliquant à elle-même ce qui concerne son empreinte, dise « Le Seigneur m'a créé en vue de ses œuvres ». Puisque le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient. Désormais, Dieu ne veut plus, comme dans les temps primitifs, être connu par l'image et l'ombre de la sagesse. Il a voulu que la véritable sagesse en personne prenne chair, devienne homme, subissent la mort de la croix, afin qu'à l'avenir, tous les croyants puissent être sauvés par la foi en cette sagesse incarnée.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Le Seigneur a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire. En quittant la synagogue de Capharnaüm, Jésus entra chez Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on implora Jésus en sa faveur. Il se pencha sur elle, interpella vivement la fièvre, et celle-ci quitta la malade. À l'instant même, elle se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Les esprits mauvais sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus les interpellait vivement et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Il faut que j'aille aussi dans les autres villes pour leur annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il se rendait dans les synagogues de Judée, pour y proclamer la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il a cessé la force de sa vie. Dans la maison de la vie de son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Seulement juré à notre Père Abraham de nous donner qu'à franchir la crainte et les livrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son âme de salut en rémission de ses péchés. Dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas.
Avec Saint Moïse, fêtez en ce jour, lui le pasteur qui a fait vivre au peuple d'Israël sa Pâque, nous te bénissons. Ave nous tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thank you.
Thank you.